Tous, je suis Rémi Gallet, je suis technical game et level designer. Alors j'ai été principalement level designer dans ma carrière. J'ai travaillé sur pas mal de projets comme les Rayman Origins, Rayman Legends, Watch Dogs 2 et le 3, là, le Legion qui va peut-être pas tarder à sortir. J'ai travaillé aussi sur d'autres projets un peu plus indés, mais bon, voilà, après vous pourrez vous renseigner plus tard. Je vais présenter un petit peu l'exercice sur lequel j'ai fait bosser la plupart des apprenants qui viennent sur le cursus Game Design. Alors moi, je m'occupe principalement du level design dans le cursus. Il y a plein d'autres domaines que vous pourrez voir. Mais là, c'est un des premiers exos que vous allez faire qui est une très bonne introduction au level design en général, parce qu'il vient juste après le premier cours qui enseigne un peu tous les grands piliers qui vous permettent de construire un level design cohérent. Et bon, bah voilà, vous le lisez sur l'écran, c'est The Legend of Zelda. C'est la construction sur papier, vue de haut, d'un donjon Zelda 2D. Alors pourquoi The Legend of Zelda? Bon, déjà, c'est une raison un peu personnelle parce que c'est une de mes licences favorites et qui reste une de mes références en level design. Et de manière plus objective, ça reste une des licences qui est encore à l'origine de beaucoup de choses en level design. Il est même à l'origine un peu du design des Metroidvania. Si vous connaissez un peu le principe du fait d'ouvrir de plus en plus la map, de découvrir un nouvel objet, d'introduire des nouvelles mécaniques et puis d'apprendre petit à petit via le level design, c'est ça le plus important. C'est qu'aujourd'hui, enfin, le principal rôle des level designers, c'est avant tout d'apprendre des mécaniques par le fait de faire jouer le joueur. Il les apprend en les essayant. Et du coup, pour eux, ça a été l'occasion de tacler déjà les gros piliers du level design, qui est l'apprentissage d'une mécanique nouvelle et surtout la construction cohérente d'un donjon, travailler la circulation, travailler la progression en difficulté, et puis travailler un peu la créativité. Et comment est-ce que vous pouvez me faire du bon level design avec un ingrédient en particulier? Du coup, je laisse la place à Maxime pour montrer son exercice. Salut, salut. Du coup, rapide présentation. Moi, c'est Maxime Monneron. Je suis étudiant en game design et là, je suis en master 2 de game director. Donc, je vais vous présenter un travail que j'ai fait du coup en bachelor 3 avec Rémi. Et évidemment, du coup, c'était la construction d'un donjon Zelda. Et évidemment, on avait plusieurs contraintes qu'on va découvrir au fur et à mesure du donjon. Et on va commencer tout de suite. Avec la présentation. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Rémi nous a fait un premier travail de game design, c'est-à-dire qu'il nous a offert ce qu'on appelle dans le jargon du level design des ingrédients, donc des éléments avec lesquels le level designer il va pouvoir s'amuser en fait pour créer un challenge et pour créer le fun pour le joueur. Et donc voilà, on a d'abord notre personnage, donc voilà, on a notre petit Link qui peut donner des coups d'épée et qui a des points de vie et qui peut aussi utiliser des bombes pour détruire les murs. Et on a pas mal d'éléments, par exemple ici un coffre de cœur d'énigme. Donc il faut, par exemple, ça permet à Link de récupérer la moitié de sa vie et il s'ouvre grâce à un levier ou un bouton au sol. On a évidemment des monstres, des leviers. On a l'aimant qui sera l'élément que le joueur, la compétence que le joueur va devoir débloquer dans le donjon et lequel il va falloir challenger, et on a plein d'éléments, des sols piquants, etc., avec lesquels on va pouvoir s'amuser. Donc, on va passer à mon donjon. Donc, ce qui était intéressant avec cet exercice, en fait, c'est que ça nous permettait, d'abord, c'est une introduction à level design. Ça aussi, ça nous présentait cet outil qui est Visio, qui est un outil très intéressant pour faire du level design en 2D. Donc, il y a plein d'outils qui peuvent marcher, mais celui-là est vraiment intéressant. Et c'est à partir de ça, du coup, qu'on a fait aussi, on a débloqué en quelque sorte le level design document, donc quelque chose assez important quand on fait du level design. Donc, l'introduction d'un niveau, ça commence en général par un pitch du donjon et une histoire. Donc moi, je me suis inventé une petite histoire dans ce donjon, donc avec des petits outils de créativité. Et donc je me suis dit, eh ben, on a un donjon en fait de l'Iron Centipede, donc du 1000 pattes de fer, et c'est un donjon qui est au-dessus d'une crevasse. Et en fait, le passage de ce gardien à travers tout le donjon va faire que les couloirs sont un peu endommagés et qu'il y a des trous un peu partout. Pareil, dans l'introduction d'un donjon, c'est intéressant de mettre les différents challenges que le joueur va rencontrer. Donc là, on va avoir du combat contre des monstres, du combat au corps à corps. On va avoir de la résolution d'énigmes et aussi des challenges qui sont liés à l'utilisation de l'aimant, qui va être la compétence que le joueur va débloquer dans ce donjon. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant quand on fait un pitch, c'est d'introduire ses intentions en termes de gameplay. Là aussi, j'ai mis des intentions qui étaient graphiques, mais on peut aussi mettre des intentions sonores, etc. Et donc, l'intention gameplay principale, c'était vraiment d'introduire un nouvel élément de jeu qui était l'aimant. Là, j'ai mis comme élément aussi comme intention graphique, c'était vraiment aussi d'arriver à capturer cette ambiance voilà, on a un gardien qui a vraiment un domaine souterrain qui est bien construit, mais qui est endommagé parce que ce mille pattes de fer se balade un peu partout et va créer des trous. Donc là, on a aussi introduit la difficulté du donjon, que j'ai mis 2,5 sur 5.
Donc là, il faut faire assez attention aussi quand on est level designer parce qu'il faut faire des tests pour pouvoir aussi réussir à capturer ce qu'est la difficulté de ce donjon. Et j'ai aussi rapidement présenté ce boss, on verra ça plus tard. Et donc, évidemment, dans ce petit donjon, on peut mettre plein d'éléments qui sont intéressants, qui peuvent être qui sont intéressants à découvrir pour les personnes à qui on va pitcher le donjon. Ensuite, Deux, trois vas-y. trucs, si tu me permets. C'est très bien tout ce que tu as introduit. Ça permet de montrer aussi que le level design, en fait, est très, très associé au game design. Pour moi, les deux sont au même niveau. On ne peut pas faire de bon game design sans savoir le mettre en contexte, le mettre. Quand vous faites des règles de jeu, vous êtes obligé de les mettre en situation pour voir si effectivement la mécanique marche ou pas. C'est comme ça, généralement, que les mécaniques sont validées et qu'on peut poursuivre. C'est qu'on sait faire du level design et qu'on sait proposer plusieurs situations par rapport à une mécanique. Et c'est le but des Zelda. Pour parler un petit peu du donjon, et tu l'as très bien dit, Maxime, ça introduit l'aimant, mais en fait, c'est pour même parler de un peu ce que vous voyez en général dans tous les Zelda, que ce soit 2D ou 3D. Généralement, un donjon, et bon, il a un thème graphique, il a une histoire et tout ça, mais il a aussi un thème gameplay. Et le thème gameplay, si vous regardez, c'est le déblocage de l'aimant. Et du coup, en level design, nous, c'est comment est-ce qu'on l'introduit, comment est-ce qu'on en parle, comment est-ce qu'on arrive à intéresser le joueur, à comprendre c'est quoi l'aimant, comment est-ce qu'il fonctionne, etc., etc. D'où le travail de level design qui est très important dans les donjons, c'est comment via l'environnement on raconte ces histoires-là et aussi on apprend petit à petit les mécaniques de l'aimant. Vas-y, je te laisse poursuivre. J'enchaîne avec le walkthrough général. Donc, en fait, c'est le chemin critique. C'est quelque chose qui se fait pas mal quand on fait des documents de level design. C'est en fait, on va présenter le chemin qui est obligatoire pour que le joueur arrive à la fin, en fait. Donc là, on peut voir. Donc, il va y avoir 15 salles en tout et le joueur, il va faire des petits allers-retours. Il y a des salles 2 et 12. Donc, le joueur, il va faire ce petit serpentin pour arriver à la salle 15, qui est la salle du boss. Et aussi, ici, c'était une opportunité pour moi de dire que voilà quelles étaient mes intentions à chaque étape, à chaque écran, ce que je voulais présenter. Par exemple, je prends l'écran 1, on va y avoir la validation des blocs poussables. Je vais aussi peut-être rapidement expliquer avec Rémi ce que veut dire validation, etc. Vas-y, je te laisse faire. Pour ça, on va passer tout de suite à la salle 1, en fait, comme ça, J'en je la profite présente. pour rebondir encore un Vas-y, petit vas-y, je peu. remets C'est ça. juste pour reparler justement de parler de circulation. On en avait parlé un petit peu vite fait en introduction. Si vous regardez bien, il y a des salles par lesquelles on revient régulièrement. C'est typique des donjons Zelda et même des Metroidvania, si vous connaissez un petit peu le genre. C'est-à-dire que quand on repasse une deuxième fois dans une salle, c'est jamais par hasard. Et généralement, le chemin critique vous demande de repasser par cette salle. C'est la fameuse circulation que moi j'aime bien appeler une circulation à la Zelda, de j'arrive ici, j'ai pas les ingrédients pour finir, par contre, j'ai vu que je pouvais faire quelque chose, mais peut-être que j'obtiendrai quelque chose plus tard qui me permettra, une fois que je reviendrai dans cette salle, de débloquer l'accès que je ne pouvais pas faire. C'est le but même de comment est-ce qu'on introduit aussi l'aimant, c'est-à-dire commencer un petit peu à donner des pistes d'endroits qui sont plus ou moins décrits via des ingrédients qui vont être utilisables avec l'aimant. Et ça tombe bien parce qu'on va voir ça quasiment tout de suite. Donc, première salle, le joueur il rentre dans le donjon. Donc, ce que je voulais faire ici, mon intention, c'était tout de suite de valider deux choses. C'était les blocs poussables et un levier qui permet d'ouvrir une porte. Donc là, la résolution est assez simple. Le joueur, il bouge son petit Link et il a deux choses à faire. Bouger, je vais enlever les flèches ici, comme ça sera plus simple. Il doit bouger les blocs, comme ceci, pour libérer le levier. Et il peut ensuite tout simplement appuyer sur le levier pour débloquer la porte. Donc là, voilà, ça valide deux choses. Le fait que les blocs peuvent être poussés et le fait qu'il y a des mécanismes en fait pour ouvrir les portes. Donc là, à travers un levier. Donc une fois que ça c'est fait, la porte s'ouvre et le joueur arrive en salle 2. Donc s'il y a un souci, Rémi, tu me coupes, ok? Non, je veux bien rebondir sur la première salle du coup, Allez, parce bah, c'est parti. que j'en profite pour parler de quelques notions de level design. Il y a quelque chose qui est vraiment bien dans celui-là, c'est que si vous regardez, il n'y a pas de monstre. En fait, la salle est très, très centrée déjà sur le levier, sur les blocs qui bloquent le passage. Il y a une porte qui est fermée. En fait, du coup, on n'est pas en train de polluer enfin, la vision et la réflexion du joueur par d'autres ingrédients. Là, il comprend que son objectif, c'est d'ouvrir la porte. Qu'est-ce qui peut ouvrir la porte? Tiens, il y a un levier avec lequel je peux interagir et il y a des blocs poussables. Donc, il va falloir que je trouve un moyen de me donner l'accès au levier qui va me permettre d'ouvrir la porte. Ça, c'est important quand on introduit des mécaniques, quand on valide quelque chose, c'est bien de centrer le level design autour de cette mécanique pour que le joueur ait bien compris. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que tu as dit dans ton document, c'est une validation. Validation, le terme en level design, alors il y a plusieurs leviers de difficulté. Il y a l'exposition, la validation et ensuite le challenge. Une validation, c'est quand on force le joueur à utiliser une mécanique pour qu'il la comprenne bien, si possible dans un endroit safe. Donc généralement, c'est une salle, un endroit, une zone assez restreinte dans laquelle on va se concentrer seulement sur un ingrédient et on va faire en sorte que le joueur l'ait compris. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas sortir de cette salle ou il ne pourra pas avancer tant qu'il n'aura pas fait la mécanique. Et ensuite, on pourra passer au challenge où on va essayer de
augmenter un petit peu la difficulté de l'usage de cette mécanique. Si je devais faire une seule remarque sur cette pièce, c'est peut-être qu'il aurait été bien d'avoir une salle juste avant pour introduire un peu mieux qu'on pouvait pousser les blocs. Mais ça, après, à la limite, ça aurait peut-être été les blocs auraient pu être présents dans un donjon précédent et du coup, on connaîtrait cette mécanique. Mais là, tu arrives direct vers une manipulation peut-être un petit peu plus complexe. Alors, complexe, donc on s'entend bien que juste pousser le bloc dans un sens. Là, tu demandes de pousser deux blocs et de pousser dans différentes directions. Ça marche plutôt bien, c'est assez simple. Encore une fois, c'est vrai ce que tu disais, c'est les tests et les playtests qui vont confirmer si oui ou non la salle est trop difficile ou pas. Mais voilà, donc c'était une notion. Passage à la salle 2. Donc là, ce qui se passe ici, c'est qu'en salle 2, il va y avoir tout de suite un challenge qui est lié au combat au corps à corps. Que donc le joueur, c'est là-dessus que l'attention du joueur va être portée avant le reste. Donc il va devoir d'abord tuer les monstres. Possiblement mettre deux monstres dès le début, ça peut être un peu compliqué. Encore une fois, il faut savoir d'un point de vue de difficulté, il faut faire des playtests pour voir si c'est trop dur ou pas. Et aussi, il y a un élément dont Rémi a parlé, c'est que le donjon est basé sur l'aimant. Et on voit que le joueur ici va être exposé. Ici, c'est un rocher aimant, donc c'est un rocher que le joueur il va devoir pousser avec l'aimant pour qu'il se déplace sur ce bouton poussoir. Et en fait, il va remarquer des éléments, donc ce rocher aimant et ce mur aimant, sur lequel il n'a pas encore d'action. Mais en fait, il se dit plus tard, peut-être avec quelque chose, je vais pouvoir utiliser ces éléments-là. Donc il voit ici qu'il y a une sortie à gauche, une sortie à droite et une sortie au nord. Donc il y a un trou ici, il n'a pas accès à la sortie au nord. La sortie à gauche est bloquée, donc possiblement avec le bouton poussoir ici. C'est la mécanique qui avait été présentée ici en salle 1. Ces portes-là ont besoin d'un mécanisme pour être ouvert. Et quand il va tuer les deux monstres, il y a automatiquement cette porte à droite qui va s'ouvrir. Et donc le joueur va ensuite se diriger par ici. Je rebondis vite fait là-dessus. Comme tu disais, c'est une exposition. Une exposition, c'est quelque chose qui est très important en level design, notamment dans tout ce qui est les donjons Zelda et les Metroidvania. Comme on dit, une exposition, en fait, c'est quand on donne des indices sur une mécanique ou qu'on montre via une cinématique ou quelque chose, une mécanique que le joueur va avoir accès. En fait, ça peut même être comment dire, un challenge annexe ou un truc dans le genre, mais en gros, ce n'est pas présent sur le chemin critique. Le joueur n'est pas obligé de le faire à ce moment-là. Par contre, on lui montre déjà des éléments d'indice. Et si vous regardez bien, en plus, Maxime a fait ça de manière assez subtile, c'est-à-dire qu'il montre déjà plusieurs éléments et il montre aussi les couleurs. Les couleurs, ce n'est pas anodin, il y a le bleu et le rouge qui sont souvent associés de manière schématique à l'aimant, comment il fonctionne en fonction s'il y a le pôle nord ou le pôle sud, et qu'on est attiré par une couleur ou qu'on est répulsé par une autre couleur. C'est la fameuse phrase de Louis Sullivan là, qui parle de la forme suit la fonction, quelque chose qu'on suit énormément en level design, c'est-à-dire qu'on essaye d'être au plus, comment dire, au plus compréhensible, au plus intuitif, ne serait-ce qu'avec le visuel de notre niveau. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le level artiste à côté, parce qu'eux, ils doivent rendre le truc joli, mais nous, notre garantie, c'est que ce soit lisible et compréhensible par le joueur. Donc, il y a toujours un échange permanent avec nos amis artistes pour dire, oui, ça doit être joli, mais nous, ça doit être compréhensible et le joueur ne doit pas être bloqué par ça. Donc, il y a quand même un code couleur à respecter qui est de garder ces signes et feedbacks de couleur qui sont le bleu et le rouge pour signifier qu'ici, il y a un ingrédient lié à l'aimant. Et comme l'a dit Maxime, ce qui est bien, c'est qu'en observant un peu la pièce, au final, on se rend compte qu'on n'a qu'un seul accès, qui est la porte monstre. Donc une fois qu'on a buté les deux monstres, on va pouvoir passer par cette porte. Et à côté, on voit que là, c'est quelque chose, on n'a pas encore les ingrédients, mais on a déjà planté la petite graine, la petite idée au joueur qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ces ingrédients plus tard. Donc Vas-y. voilà, l'objectif de cette salle au final, c'était vraiment voilà, d'exposer des éléments liés à l'aimant. Et c'est aussi ce qui se passe un peu dans la salle suivante. Alors, première chose, donc il y a deux monstres. Si vous êtes un level designer gentil, vous évitez de mettre un monstre comme ça juste devant le joueur quand il spawn. Voilà, c'est des fois, enfin, si vous voulez être méchant, vous pouvez. Là, il aurait été sympathique de mettre le monstre vers ici pour pas que le joueur se fasse dégommer dès qu'il apparaît dans la salle. Mais voilà, encore une fois, on a une exposition en fait d'un rocher aimant qui est différent du précédent parce qu'il était de couleur bleue. Là, on en a un de couleur rouge, donc le joueur va encore être exposé, mais de manière différente. Et ici, voilà, encore une fois, on a un bouton poussoir avec une porte au nord. Le joueur n'y a pas accès. Il n'y a qu'une seule sortie qui est par la droite. Donc le joueur va devoir éclater les monstres et ensuite sortir par la droite. Et évidemment, il y a toujours des éléments un peu ici pour. Ça, c'est les choses auxquelles il faut penser, la vie du joueur et aussi parce que dans Zelda, on adore casser les vases. Des éléments auxquels il faut penser dans les différentes salles pour que le joueur reste en vie tout au long du donjon. Et un autre truc un peu subtil que Maxime a fait dans son niveau ici, si vous avez regardé dans la salle précédente, enfin il y avait des trous qui séparaient les ingrédients avec les aimants. Donc mine de rien, ça donnait un indice déjà que de base, vous savez que Link ne peut pas sauter dans la plupart de ces jeux. Dans la plupart, je dis bien, il arrive que des fois il a un ingrédient qui lui permet de sauter au-dessus d'un trou. Mais dans celui-là, il ne pourra pas. Et on a vu que l'aimant pourrait potentiellement être quelque chose d'utilisé à distance. Par exemple, ça se voit avec le rocher en bas bleu, où on ne pourra pas jamais arriver au contact proche.
Et l'autre salle, il montre un autre aspect, c'est-à-dire on a l'épique qui nous bloque physiquement Link et qui va nous donner des dégâts. Du coup, on se dit, bah, potentiellement, je vais pouvoir utiliser l'aimant pour faire passer l'objet par-dessus l'épique. Donc, implicitement et intuitivement, on commence déjà à donner les règles de game design de c'est quoi l'aimant, comment est-ce qu'il fonctionne. Du coup, on passe tout de suite à la salle 4, qui est une salle qui peut-être nécessite une amélioration en termes de lisibilité, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont introduites en même temps, et ça peut être un peu complexe. Donc là, l'objectif de ces salles, c'était que le joueur obtienne l'aimant. Donc il y a plusieurs choses qui lui sont introduites. Donc il va d'abord retrouver les leviers qu'il a vus en salle 1, et lorsqu'il va activer un levier, il va voir ses pions qui vont se mettre à bouger. Donc moi j'appelle ça des ponts, mais c'est des plateformes qui bougent. Et qu'est-ce que le joueur il va devoir faire? Il va devoir donc activer le levier ici, prendre la plateforme pour arriver au sud. Ensuite, il dégomme notre ami le monstre et il récupère l'aimant. Il y a une chose qui est assez importante, et donc je pense Rémi va parler, c'est quand dans des jeux Zelda et dans des jeux Nintendo, et d'ailleurs dans plein de jeux ils le font, c'est que dès qu'on récupère une nouvelle compétence, on aime bien tout de suite la faire valider, l'utiliser pour sortir de la salle, pour que le joueur comprenne tout de suite comment ça fonctionne. Et donc c'est pour ça que ici je l'ai utilisé avec des murs aimants, même si c'est pas ultra safe. Normalement, on aime bien le faire dans un environnement assez safe. Là, c'est pas ultra safe parce que le joueur peut tomber dans le vide. Mais voilà, le joueur va pouvoir tout de suite utiliser l'aimant pour s'attirer vers les murs d'aimants. Donc en gros, il va utiliser l'aimant, ça va faire paf, ensuite paf et ensuite paf. Donc voilà, cette salle peut être un peu complexe parce que j'introduis et je valide en même temps les plateformes qui se déplacent et l'aimant. Mais voilà, c'est un peu ça l'intention de cette salle. Si, alors moi, la remarque que j'aurais fait, que je crois que je t'avais fait à l'époque où on a corrigé ce devoir, c'est par contre là, ce qui est bien, c'est que c'est vrai que c'est on est une fois qu'on récupère le truc, ce qui est bien, c'est qu'on doit tout de suite faire valider pour faire comprendre. En plus, si vous regardez, il y a toujours la notion de la forme qui suit la fonction, où on a bien un aimant avec la couleur bleue et le principe de l'aimant qui est on est attiré par son opposé. Donc là, on a un mur rouge. En fait, en testant directement, on va voir qu'on va pouvoir passer au-dessus du trou. La remarque que je ferai ici, c'est que généralement, enfin, c'est une notion qu'on voit en rational design un peu plus tard, bah, dans l'unité que je présente. C'est-à-dire que, comment dire, un reward, une récompense, ça a une valeur. Et on doit comprendre la hiérarchie des valeurs. Un rubis n'a pas la même valeur que l'aimant dans un donjon pour tous les joueurs. Donc, pour moi, il aurait dû être mis beaucoup plus en valeur en ayant sa propre salle. Justement, ce que tu disais, c'est qu'il y a peut-être un peu trop d'ingrédients. Il aurait mérité d'être mieux mis en valeur, d'être mis au centre ou mis avec des petites colonnades ou un truc dans le genre. Encore une fois, le level design, on doit aussi avoir un peu cette comment dire, affinité artistique où on essaye de mettre en valeur quelque chose. Et encore une fois, pareil, débloquer un coffre, ce n'est pas la même chose que de débloquer un rubis dans une jarre. C'est généralement associé à un challenge ou associé à une mise en scène qui vous permet de comprendre de cet objet-là, il est important, cet objet-là, je vais devoir faire. Et ça aurait été bien de garder l'aimant dans sa salle et peut-être juste le mur avec l'aimant rouge juste en face pour comprendre que j'ai l'aimant, je vais faire quelque chose avec cet ingrédient et peut-être pas avoir les plateformes mobiles. Ça aurait été bien de la faire dans une salle séparée pour atteindre la fameuse salle de l'aimant. C'est vrai que ça aurait été intéressant de traiter ça un peu l'aimant comme une sorte de dominant. C'est des trucs qu'on voit un peu plus dans l'aspect artistique du level design, mais vraiment de créer cette salle où de manière majeure en fait on voit ça et le joueur va évoluer vers ça et enfin voilà, c'est vraiment l'élément central de la salle quoi. Voilà, donc ensuite il débloque l'aimant et il revient dans la salle précédente qui est la salle 5. Donc là évidemment encore une fois il y a le monstre parce que dans le Zelda quand on revient dans les salles les monstres reviennent. Et là, évidemment, encore une fois, il a un monstre devant la tête, donc pas très sympathique, on aurait pu le décaler. Et une fois qu'il a tué les monstres, il va se retrouver, il va tout de suite comprendre, ici, en se mettant ici, que si il utilise son aimant, ça va attirer le rocher vers lui. Donc il est de couleur rouge, la couleur rouge, donc c'est l'attirance en quelque sorte. Il va pouvoir constater en fait que le rocher va passer au-dessus des pics et va venir se poser sur le bouton poussoir, ce qui va activer la porte du haut. Donc là, c'est pour ça que c'était intéressant d'exposer cette situation précédemment, parce que quand le joueur va débloquer l'aimant et va l'utiliser dans la salle 4, en arrivant dans cette salle, il va normalement logiquement comprendre comment résoudre ce mini-challenge. Ouais. Ce qui est bien, c'est que justement, il a validé le côté le bleu qui est attiré par le rouge enfin, dès la pièce précédente. Et si vous regardez bien, ce qui est bien, c'est que comme Link arrive de la droite, il fait face directement au bloc. Donc, il est déjà bien positionné. C'est un autre truc que tu lui avais pas trop fait avec les blocs poussables où tu avais bien plus ou moins teasé par sa position et ce qu'il devait faire avec un bloc poussable. Là, tu es directement en face de l'objectif. Ton truc, c'est je suis déjà devant mon truc. J'ai juste à appuyer sur la touche pour faire la traction et ça va le faire. Et il y a la couleur rouge qui est associée déjà au mur rouge. Ça aurait été plus compliqué si tu avais mis bah, le rocher bleu qu'on pouvait expulser parce que tu n'as pas vraiment encore même fait valider
enfin, l'élément de répulsion qui est le bleu sur le bleu. Là, tu as fait l'attraction, tu remets de l'attraction ici, mais d'une façon différente, mais avec une disposition de ligne qui fait face à son truc et qui n'a directement qu'à utiliser son aimant. Et donc voilà, quand il déplace ce rocher sur le bouton poussoir, il débloque la porte du haut et il peut se diriger au nord. Il arrive dans cette salle 6, qui est une salle que j'appelle dubitative, où ici, le but, c'était de présenter et de valider aussi cet ingrédient qui était aussi un mur aimant, mais sur lequel on va se répulser. Et donc ici, le problème que moi je vois aussi, c'était que c'était pas présenté de manière très safe, et même le challenge n'est pas très... très créatif de manière générale. Et donc l'objectif ici, c'était pour Link d'arriver, de tuer un monstre, et ensuite d'utiliser l'aimant pour se répulser en fait du mur, pour se repousser tout simplement, et atterrir sur la plateforme suivante. Donc il répétait cette action plusieurs fois pour valider vraiment cette manière d'utiliser l'aimant. Et encore une fois, un dernier monstre à tuer ici, qui est un peu caché derrière le mur. Et ensuite, on se repousse une dernière fois pour arriver dans la salle du haut. Un peu moins méchant sur ta situation parce que moi, au contraire, ce qui est bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, on a bien une situation clean où on comprend qu'il n'y a que le mur bleu ici, donc on va se concentrer sur ce challenge-là qui est la répulsion avec l'aimant par rapport au mur bleu. En plus, c'est quelque chose qu'on a vu dans la salle de validation avec les murs rouges où cette fois, ça nous a tiré. Là, on voit un pattern qui ressemble, c'est-à-dire on a un trou, on a un mur aimant, on a l'aimant, mais tiens, c'est un mur bleu contrairement à un mur rouge. Mais par contre, on a une situation similaire dans le sens où on va pouvoir passer un trou grâce à cette mécanique. Et là, comme tu as concentré là-dessus visuellement sur l'aimant bleu, et ben là, au moins, c'est clair, on comprend qu'il va falloir utiliser l'aimant. Il y a une situation à peu près similaire avec le mur rouge par-dessus un trou. Du coup, intuitivement, ça va être un peu plus simple à comprendre si c'est aussi clean comme ça. Là où je te rejoins, c'est vrai qu'il n'y avait peut-être pas besoin de le faire 3 fois de suite, juste 2 fois, et peut-être de faire une légère modification au niveau topologique, histoire de qu'il s'entraîne à aller sur les côtés, de voir que ça ne va pas que dans un sens. Tu vois, tu aurais pu le faire passer en haut à gauche et te faire répulser de C'est gauche ça. à droite au lieu de bas vers le haut, histoire d'apporter un peu de variété et aussi de faire comprendre que ça va être dans tous les axes au final. C'est bête, mais des fois, juste de faire avec mécaniquement de faire l'input au joueur, ça va rentrer et ça va devenir automatique. Il va comprendre que, ah oui, non, ça marche vraiment comme je le pensais, en fait. C'est ça, c'était un peu ça la réflexion en fait, c'était que en fait, c'était un peu trop linéaire. J'essayais d'avoir un flow de que le joueur se propulse rapidement, etc. Mais c'est vrai que ça manquait de différence en fait, de plateforme à une autre, quoi. Et donc du coup. Alors juste Maxime, je te coupe 2 secondes en fait parce que c'est ultra intéressant, hein. Franchement, j'avais qu'une seule envie, c'est de rallumer ma console et de jouer à Zelda tout de suite. Mais c'est juste pour te dire que en termes de timing, il nous reste juste 5 minutes et je vois qu'il y a 15 salles, donc c'est du coup c'est juste pour si tu peux un petit peu condenser Ouais, je vais faire ça. surtout le boss en fait. Hein. Enfin, Ok, tu m'avais expliqué le concept du boss, c'était plutôt sympa. je vais très rapidement y arriver en fait, du coup, en 2 minutes. Donc l'objectif en fait, au final, c'est plus on avance dans les salles, plus on va avoir des challenges qui vont être élevés. Donc là, par exemple, il y a plus de monstres à tuer et ça va débloquer la porte du haut. Ici, c'était une salle assez importante puisqu'en fait, c'est ici que le joueur va débloquer la clé du boss et qui est liée aussi encore une fois à un challenge de l'aimant. Donc plus le joueur. Une chose intéressante aussi, là ici on voit que cette porte est fermée et pour la débloquer, il faut utiliser ce levier, ce qui peut être assez dangereux. On se souvient des anciens jeux Tomb Raider, etc. où on utilisait des leviers et ça ouvrait une porte n'importe où et on ne savait pas où c'était. Donc il faut faire assez attention avec ça. Et ici encore, ce n'est pas trop grave parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule solution. Il faut absolument aller dans cette salle pour avoir ce levier et ouvrir cette porte. Donc plus on va avancer dans les salles, plus les challenges liés à l'aimant et les énigmes vont être un peu plus importants. Donc, ce qui est assez normal, ici on voit que la salle est un peu plus compliquée. Il faut activer des leviers, utiliser des ponts, pousser les rochers dans différents sens. Et voilà, encore une fois, un peu plus complexe ici avec des challenges de monstres. Il faut avoir une clé ici pour ouvrir cette porte. Là, ici, on revient, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une salle au début où j'avais exposé en fait les aimants. Et le joueur, il va revenir ensuite au nord et il va comprendre comment s'utilise ce mur en fait. Et il va s'attirer tout simplement si j'arrive à sélectionner mon joueur. Pour revenir dans cette salle et pour pouvoir pousser ce rocher ici et arriver dans cette salle. Ensuite, on va arriver dans ce que j'appelle moi la salle n'importe quoi, donc qui était en fait une salle qui est. On veut toujours en level design faire une évolution des challenges en Dante si pour que il y ait que les challenges soient toujours de plus en plus durs malgré que le joueur ait des temps de repos, etc. Qui a un rythme assez certain. Et ici, on est arrivé dans une salle en fait où selon moi en fait elle manquait de visibilité, le challenge était mal présenté et peut-être un peu trop complexe.
Et donc, il aurait mérité un peu plus de lisibilité. Mais une fois que le joueur arrive à, dans cette salle, à pousser le bouton, le rocher jusqu'au bouton et à débloquer la porte en haut en se déplaçant de plateforme en plateforme, il arrive dans une salle qu'on aime beaucoup dans ce genre de jeu, qui est une que j'aime, moi, j'aime bien un peu la salle de préparation. Ici, on aurait même pu enlever le monstre, en fait. Et c'est une salle où le joueur va voir la porte du boss. Il va voir qu'il y a plein de vases pour revenir en point de vie, etc. Et il va se rendre compte qu'en fait, la salle d'après, c'est la salle du boss. Et il va pouvoir se préparer, en fait, mentalement à affronter le boss. Potentiellement, c'est un pattern que vous voyez dans plein de jeux, si vous le regardez. Je pense que vous avez tous eu un peu ce truc-là, même dans des Dark Souls ou dans d'autres jeux, dans des God of War. Vous voyez, ah tiens, j'ai un coffre de vie. Ah tiens, c'est un peu plus tranquille en ce moment. Oh, ça sent le boss. Ben voilà, c'est un pattern qui est introduit dans presque tous les Zelda. Vous avez une salle tampon, une salle sas, où vous allez remplir vos cœurs, vous allez remplir vos munitions si vous en avez besoin, parce qu'il y a un arc dans le donjon ou un truc dans le genre. Bon, en plus, là, il y a la porte boss, donc c'est clair qu'il y a un boss, mais généralement, c'est aussi un pattern qui est très récurrent dans les jeux. Et du coup, très rapidement, on arrive au boss. Donc moi, je me suis amusé, Rémi l'a dit au tout début, en général, on fait des niveaux qui sont, enfin des donjons qui sont thématiques un peu de l'objet qu'on va débloquer ici, cet élément. Et du coup, je me suis dit, eh ben, on va faire un boss aussi qui est forcément thématique en fonction de ça. Et c'est pour ça que j'ai mon 1000 pattes de fer. Alors, comment on va affronter ce 1000 pattes de fer? Donc on a une sorte d'arène avec du vide un peu autour. Et ce boss, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va charger... notre Link, en fait. Donc le Link, il va devoir bait, il va devoir attirer le boss près du vide. Et lorsque le boss il va charger, il va s'arrêter proche du vide, ce qui va donner au joueur le temps d'utiliser son aimant pour retirer des parties du mille-pattes et les jeter dans le vide. Et l'objectif du joueur, en fait, c'est au fur et à mesure de retirer des parties du mille-pattes pour que le boss soit assez petit pour qu'il puisse ensuite prendre le boss et le jeter dans le vide. En plus de ça, évidemment, au fur et à mesure du boss, il y a quelques monstres qui vont apparaître pour rendre le challenge un peu plus difficile au fur et à mesure du boss, au fur et à mesure du fait qu'il perde des parties. Et voilà, c'est un peu ça l'idée du boss de ce donjon. Bah, merci Maxime, c'était vraiment passionnant. Merci Jérémy, du coup, pour ces petits commentaires, pour du coup l'œil de l'expert. C'était extrêmement, franchement, enfin, j'ai qu'une seule envie, c'est vraiment de jouer à Zelda et de, bon, là c'est sur du 2D, donc bon. Faire une dernière remarque. Non, oui. C'est très bien tout ça, c'est juste pour montrer en fait l'intérêt de l'exercice, c'est que vous voyez, il y a du LD micro, c'est-à-dire faire du level design par salle, faire un challenge intéressant au niveau micro, mais il y a aussi l'aspect macro, comme on a dit, travailler la circulation, travailler la logique de quelle clé va débloquer telle salle, par où on va passer, dans quel ordre on va passer, il y a construire tout un donjon cohérent et des salles qui s'imbriquent bien les unes aux autres. Donc il y a l'aspect micro et macro du level design qui est toujours important de garder en tête de c'est quoi mon objectif, jusqu'où je vais, quel temps je vais passer dans le donjon, etc. etc. Voilà, c'était... Ok, pas de problème, Rémi. en tout cas, merci à vous deux, c'était passionnant. Maxime, je t'invite à partager un petit peu ton projet sur...